Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je me trompe de scène. Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour parler de l'analyse de patch de la 2.38.2, à savoir la mise à jour du 10 octobre 2018. Comme vous le voyez au-dessus, pas mal de choses à dire. Alors tout d'abord, je n'ai pas fait les stats. Il y avait beaucoup de persos. On en a beaucoup parlé en stream, donc c'est vrai que je n'ai pas fait les stats. Mais c'est pas très grave, beaucoup de changements sont à la hauteur de 5%. Mais on va en parler, je vais essayer d'aller le plus vite possible. Parce que comme il y a pas mal de persos, j'ai pas envie que ça dure 3 heures. Il est possible que ça dure quand même longtemps. Alors du coup, commençons par Cassia tout d'abord. Changement incompréhensible pour Cassia. Ce patch met des choses très intéressantes et à côté de ça, il y a des trucs un peu étonnants. Et pour Cassia, c'est complètement incompréhensible. Donc on change l'échelonnement, donc le scaling du A de Cassia. Alors c'était l'occasion d'apprendre, enfin moi je ne le savais pas, que ça scalait un petit peu plus. Parce que je rappelle que 4% par niveau, c'est la valeur moyenne, on va dire, de quasiment tous les persos. Et je ne savais pas que le javelot scalait à hauteur de 4,5%. Donc c'est toujours une information intéressante, même si maintenant ça n'existe plus. Le build Q-Spell était déjà meilleur en late game, mais pour ses talents, il est encore meilleur au niveau des dégâts visiblement qu'il infligeait. Ce qui me gêne un petit peu, c'est que je pense qu'en fait ils ont réduit les dégâts de l'échelonnement parce que avec les changements qu'ils ont fait sur Cassia, le build Q-Spell a été renforcé, on va dire. Mais au final, le build auto-attaque, enfin les deux builds auto-attaque aussi. Ce qui me gêne un petit peu, c'est de voir un scaling changer sur Cassia. Ils ont fait plein de changements sur Cassia pour que le perso soit compétitif, soit intéressant, soit viable, soit sorti en pro, et ils nerfent ce âge, alors que Cassia n'est pas forcément le carry le plus joué, ça reste quand même un auto-attaqueur situationnel. Je suis étonné malgré tout. Elle est pas dans les top win rate en plus de low queue, donc elle est pas à plaindre, hein, mais elle est pas non plus au top 5 ou top 10. Donc c'est vrai que je suis très étonné de ce truc. Donc c'est probablement pour faire en sorte qu'on ait moins de... Surtout pas plus, c'est un nerf global, parce que même en build auto-attaque, au final, le scaling est moins gros, et en auto-attaque, votre Q-Spell, vous comptez dessus quand même, donc c'est des gros dégâts en moins. Et la surtension, donc le 7, qui voit également un petit nerf à la hauteur de 5%, je crois, à dégâts réduits, donc de 225 à 210. Alors le problème, c'est la surtension, elle est très forte, en fait. Et le souci, c'est que les deux autres talents 7 sont bien sur Cassia, mais il faudrait peut-être leur ajouter un petit bonus. Du coup, deux nerfs sur Cassia, un petit peu incompréhensible. C'est un peu dommage. En tout cas, on va attaquer sur le prochain perso, Chacal, jeune crate qui voit un up de 5% de ses dégâts d'auto-attaque de base. On pourrait dire, quoi? Mais Chacal, il est bien là à l'heure actuelle, pourquoi il le change? Bien, c'est un autre problème assez étonnant. Les ennemis maintenant voient désormais la zone d'effet de la mine à son lancement. C'est-à-dire que quand vous lancez la mine, eh bien, avant, vous savez, c'était quand elle se posait au sol qu'on voyait le contour. Maintenant, dès que le chacal va lancer la mine, ça va en fait tout de suite marquer la zone de projection. Concrètement, c'est un gros impact sur chacal. C'est pas pour rien que ça a augmenté les dégâts de auto-attaque de base et qu'ils ont augmenté aussi la portée de 10 à 10,5. C'est un énorme changement. Enfin, c'est un énorme changement. C'est un changement qui est un nerf, hein, bien entendu, pour chacal, puisque ça casse. Enfin. C'est plus prévisible en gros. Ça rappelle un peu le Z de Chromie. Et ce qui me gêne, c'est que en fait c'est très playmaker. Chacal, ce Z est très playmaker. Et je trouve ça... Je trouve que ça casse le play. Enfin, Chacal en plus en early, il a rien pour lui. Ok, il a du dépush et tout, c'est cool. Mais c'est surtout en mid-late game qu'il va vraiment devenir costaud. Et en early, le seul truc qu'il peut essayer de faire, c'est mettre des mines pour amener des gars sous les tours, etc. Sinon, il n'a rien à faire en fait. Et là, les mines. En plus, il ne faut pas oublier que Chacal, le lancement de la mine, c'est son escape. Faut pas oublier que la mine, c'est l'escape de Chacal. Donc il utilise son outil défensif offensivement. C'est déjà un contre-coup en fait pour Chacal. Il utilise sa mine, donc il utilise son outil défensif offensivement. Il doit s'avancer, il doit prendre des risques pour mettre sa mine. C'était déjà justement une prise de risque du coup de rentrer la mine. On augmente la portée, mais enfin, je trouve que ça va, c'est pas du tout bon. Alors le but, c'est que ce soit pas trop frustrant pour les mecs qui soient. Mais à un moment donné, si on veut pas que ce soit frustrant, faut pas. Enfin, c'est casse-couille à force, hein. C'est vraiment casse-couille, surtout qu'en plus. Je n'avais même pas vu que Reddit s'en était plaint ou quoi que ce soit. Bon, il y aura forcément un ou deux trous de balle, hein, qui dira chacal. Mais concrètement, là, je sais pas d'où il sort ce truc. Parce que j'essaye de suivre un petit peu ce qu'il peut se dire. Et voilà, Genji, on savait, Chromie, on savait. Chacal, j'avoue que je ne savais pas. Et je sais pas d'où ça sort ce truc. Mais c'est très triste parce que
Chacal, bah déjà il devait prendre des risques pour mettre sa mine, et bah maintenant c'est beaucoup plus facile de l'esquiver. Donc c'est pas terrible, je suis vraiment pas fan de Chacal. Kerrigan, voilà pourquoi la musique est là. Kerrigan, on était sûr qu'elle allait être nerf, c'était top win rate. Kerrigan, alors faut pas oublier un truc, hein, je tiens à le rappeler, mais Kerrigan, c'est top win rate en solo queue. Regardez Asmodan, il est quand même assez haut dans les win rate solo queue. C'est pas pour autant qu'en team on le voit quasiment jamais même. Kerrigan, c'est un peu le même délire. Kerrigan, l'ancienne Kerrigan avant même le rework, Kerrigan avait des win rates tout à fait correctes. Hein. Elle était dans les top 10, top 15. Et les one trick pony Kerrigan, je peux vous garantir qu'ils savaient carry leur game. Hein. Donc ça marchait très bien. Kerrigan a toujours été un perso punitif, impactant. Des contrôles des dégâts, du burst, c'est des trucs qui fonctionnent énormément en solo queue. Et en l'occurrence, donc Kerrigan, quand elle est jouée par des mecs qui savent très très bien la maîtriser, ça fonctionne du tonnerre. Là, avec le rework, ça a rendu Kerrigan beaucoup plus accessible, et pourtant les joueurs en face ont toujours du mal à la contrer. Or Kerrigan, maintenant, elle est plus tanky, mais elle fait moins mal. Hein. Faut pas oublier que le changement, on pourrait se dire, ouais, c'était un énorme up de Kerrigan, c'était un ajustement. Alors évidemment, on a rentré des nouvelles mécaniques, je vais essayer de voir le guide Kerrigan, qui est toujours à jour, hein, y a pas de problème. Mais le guide Kerrigan, j'en parle, Kerrigan, elle a subi des ajustements. Alors, elle a des nouvelles mécaniques, notamment le double A, etc., qui forcément lui font rentrer plus de dégâts, mais elle tank plus qu'avant en fait. Mais n'oubliez pas que Kerrigan, le fait qu'elle tank plus, ça lui permet de rentrer plus de dégâts aussi. Donc c'est là le souci. Et Kerrigan, elle a toujours eu des énormes faiblesses, elle les a encore. Maintenant, il fallait un petit nerf de chiffres. J'ai quand même le sentiment, personnellement, qu'ils en ont un peu trop fait sur Kerrigan. Je pense que ça ira, mais j'ai un peu peur que ça affecte trop Kerrigan au niveau compétitif. Parce que, alors, on a tout d'abord un up de 5% des points de vie de Kerrigan. Donc ça, c'est pas mal, hein. N'oublions pas que plus de points de vie égale potentiellement plus de shield, etc., etc. Donc c'est toujours intéressant. Je voulais savoir le guide Kerrigan pour plus de détails. La régène qui se calque. L'assimilation, donc le bouclier. Je rappelle que le bouclier de Kerrigan, c'est une mécanique fondamentale sur le personnage. C'est-à-dire que tous les dégâts qu'elle inflige vont avoir une part convertie en bouclier. Avant c'était 15%, à la hauteur de 15% des dégâts infligés mis en shield. Maintenant ce sera 10%. Rien que ça, c'est déjà un énorme nerf sur Kerrigan. Rien que ça. En fait, il faut avoir joué Kerrigan pour se rendre compte de... Et allez voir le guide Kerrigan du coup si vous avez besoin d'aide ou que vous vouliez comprendre un petit peu pourquoi. Mais le moindre petit changement, PV, bouclier, auto-attaque ou quoi que ce soit, va impacter le gameplay de Kerrigan de fond en comble. Parce que Kerrigan, en fait, sa tankiness, elle l'a PV plus dégâts plus shield plus... Et du coup tu changes un petit maillon de cette chaîne et instantanément tout peut s'effondrer. Donc c'est le problème du perso. Et il y a... Donc rien que ça déjà, c'est un gros nerf. Et rien que ça, sans le buff de PV, ça aurait pu suffire. À côté de ça, on va avoir le niveau 1, Fureur de l'Essaim, donc le nombre d'attaques. Donc je rappelle, c'est ce talent 1, c'est juste trop fort. Les deux autres sont trop faibles, malheureusement. Ce talent 1, il est indispensable sur Kerrigan. Et du coup, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le nombre d'attaques. Une fois que vous avez lancé votre A, avant vous mettiez deux auto-attaques qui touchaient 3 personnes, enfin qui tapaient en zone. Maintenant, ça sera une seule auto-attaque. Donc faites un A, la seule auto-attaque d'après va toucher en zone, pas deux. Donc, je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est un énorme nerf pour Kerrigan. Puisque déjà avant c'était 15% de shield. Donc vous sautiez sur quelqu'un, vous mettiez des autos, c'était 15% de shield en zone. Et vous en aviez deux en fait, deux autos qui allaient faire proc à 15% de shield. Donc c'est énorme. Maintenant, c'est une seule auto-attaque après un Q. Donc vous perdez en shield, de plus le shield a été nerf. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais la tankiness de Kerrigan en prend un taquet au genou là. Vraiment, c'est énorme. Le 4, le paroxysme cinétique, donc le talent le plus intéressant aussi au niveau 4, qui voit son bonus aux dégâts réduit par cumul, donc de 15 à 100% pour un bonus aux dégâts réduit de 150% à 100%. Très gros nerf, hein, très très gros nerf sur le Z. Après, ça va aussi dans la logique de vouloir faire en sorte que Kerrigan ne soit pas... ne soit plus le burster qu'on a pu connaître. Elle l'est toujours du burst, mais c'est un peu plus tanky qu'avant. Niveau 7, la reine des lames. La réduction du temps de recharge augmentée de 4 à 6 secondes par ennemi touché. Bon, c'est le talent qui réduit le CD du A. Honnêtement, c'est pas fou. Le A gratuit en bonus, ça vous donne 3 charges de A sur un héros et potentiellement des charges de A par héros ennemi. Donc, c'est quand même beaucoup trop fort. Donc, ils essayent de up un talent qui est vraiment pas terrible. Enfin, qui est vraiment en dessous. Donc, pas de problème. Niveau 13, puissance volatile. Alors, ça, par exemple, vous voyez, c'est la signature de changement d'équilibrage pour la solo queue. Puisque pour moi, en pro, ce talent aurait été pris, mais
il est très facile à contrer. C'est-à-dire que ce bouclier, c'est le bouclier instantanément. Instantané, pardon. C'est pas celui qui dure longtemps, celui instantané. Vous rentrez dedans, vous mettez des dégâts, vous avez un énorme shield, ok, vous gagnez plus de shield. Le truc, c'est que vous le perdez aussitôt. Et du coup, en pro, bah, on peut tempo justement ce genre de choses. Et vous perdez le shield. Donc c'est pas si simple que ça. Donc il doublait le bonus de shield, donc avant c'était 15, ça montait à 30%. C'était 10, maintenant ça passe à 20%. Donc rien que déjà ce nerf là nerfait le 13, mais c'est un double nerf pour ce talent, puisque maintenant le maximum sera 20%, alors qu'à l'époque c'était 30%. Donc c'est un gros changement bien sûr pour la puissance volatile. Et là c'est typiquement solo queue, parce qu'en solo queue, bah, on rentre la tête la première dedans, on balance tout, ça marche ou ça passe pas. Kerrigan, les gens vont rentrer tout de suite lui la taper en mode enfin. Et par exemple c'est pour ça aussi que White Mane marche bien en solo queue. Parce que White Mane, les gens s'empalent dessus et après ils font hop hop. Bah, c'est un peu le même principe avec Kerrigan. Ici, elle s'offre un énorme anti-burst en gagnant plus de boucliers. Les gens tapent dessus comme des Goliaths alors qu'ils pourraient temporiser. Et du coup, ça permet à Kerrigan de tanker énormément. Donc, je pense qu'en pro, on l'aurait peut-être un peu moins vu. Même si on l'aurait vu en pro, je pense qu'on l'aurait peut-être moins vu. Niveau, mais ça reste un talent intéressant. Il reste intéressant. C'est pas un talent qui est devenu poubelle, mais c'est un peu dommage. Niveau 16, le pic de douleur, dégâts réduits de 75 à 70 points. Donc, un petit nerf sur le Z. Le Z est trop fort. Honnêtement, le Z est trop fort au 16. Donc, bon, c'est un nerf. C'est un nerf de l'arbre principal, mais honnêtement, vous pouvez toujours jouer ce build, il reste excellent. Et le niveau 20, la tempête Omega, donc l'espèce d'archonte crépusculaire personnalisée de Kerrigan, la durée du bonus, par itération, donc par tic de dégâts, qui. Alors, ça va peut-être changer les trucs de mon guide, par contre. C'est-à-dire que avant, j'avais fait un petit calcul en mode, voilà, à 4, vous gardez permanence, à 3, vous descendez, mais à peu, à 2, vous perdez un peu plus. Maintenant, ça risque de changer, peut-être que à 3 vous stabiliserez le R, à 2 ça descendra tranquillement, et c'est à 1 touché où ça va quand même descendre, mais vous allez le garder. Donc l'idée, c'est de garder le Maelstrom quasiment indéfiniment. Donc voilà, l'idée, c'était ce que disent les développeurs, c'est que de toute façon Kerrigan, son style est super cool, et que les modifications qui avaient été apportées à Kerrigan, c'était pour la ramener un pied d'égalité, pas la faire, enfin, donc ils veulent la faire rentrer dans le rang. Ils voulaient pas que ce soit le nouvel assassin numéro 1, ils voulaient juste la rendre compétitive. Mephisto qui voit des changements. Alors je ne comprends pas ce changement. Là, comme j'ai pu le dire en stream et je vais le redire, mais là, il y a les développeurs de Blizzard, ils vous disent jouez le root, jouez le root. Ils sont là, je pense qu'ils vous gueulent dessus en mode mais jouez le root. Les hubs de la prison étaient déjà excellents, vraiment, étaient déjà excellents. La prison était le meilleur ult de Mephisto. Là, on vous le passe à 60 secondes. N'oubliez pas qu'il y a le talent 13 aussi qui réduit le temps de recharge. Vous pouvez avoir des routes quasiment toutes les 30-40 secondes, voire moins. Donc c'est monstrueux, c'est juste monstrueux. Et allié au niveau 20, ça peut être n'importe quoi. Hein. Vraiment, c'est ça, ils reviendront dessus, je pense. Je pense qu'ils reviendront dessus un de ces 4 parce que c'est beaucoup trop. C'est les ups qu'ils ont mis déjà sur la prison de haine. C'est juste que tout le monde joue Orgidam parce que on peut caisse, c'est cool, c'est rigolo. Mais vraiment, la prison de haine, c'est supra fort, hein. Donc je pense qu'ils reviendront dessus. Le niveau 1, la mauvaise intention, puissance de capacité réduite de 20. Alors c'est marqué A, mais en fait c'est le E. C'est une erreur de la patch note, c'est le E et pas le A. Le E qui augmente la puissance de capacité. Donc ça va très bien dans le kit de Mephisto, il a pas forcément le wave clear, etc. C'est pour ça que d'ailleurs que moi je préfère le Z01. Mais celui-là est vraiment pas mal, parce que voilà, vous êtes sur Volskaya, vous cherchez pas le wave clear, vous foutez les dégâts. Donc E in, boum, on balance tout. C'est vrai que 20% de puissance de capacité, c'est quand même un gros bonus quand vous regardez, vous comparez avec Liming, Jaina, etc. Les puissances de capacité, on les distribue pas à 20%, hein. Plutôt c'est du 5, 10, 15. Donc c'est vrai que 20%, ça paraît, c'est peut-être un peu beaucoup pour un niveau 1. On redescend à 15%. Moi, l'osseuse, le soin, donc on change les talents 4. Le soin sur le A, ça j'en avais parlé dans mon guide Mephisto. Je disais que c'était de la merde et qu'il fallait le up. Soin de 50 à 60%, c'est bien, mais c'est insuffisant. Il faut monter au moins à 70-75% pour que ce soin il devienne intéressant et encore. Le niveau 4, la barrière statique, la durée du bouclier qui est réduite de 7 à 5. On l'avait dit que ça serait changé, c'était beaucoup trop fort, donc on passe de 7 à 5, c'est tout à fait logique. Malfaisance, le bonus donc sur la durée des globes qui est augmenté de 60 à 100%. C'est plutôt pas mal parce que je rappelle, alors si je ne dis pas de bêtises, corrigez-moi si je me trompe dans les commentaires, mais il me semble que augmenter la durée du globe augmente du coup la régène des globes. Donc si tu fais passer la durée des globes, si tu augmentes de la durée des globes de 60 à 100%, c'est-à-dire que tu doubles la durée des globes, donc tu doubles la régénération de PV. C'est juste dommage qu'ils fassent pas un truc pour la mana.
Je pense. Ça pourrait être intéressant que ce talent donne de la mana. Le jour où il donne de la mana, moi je pense que bonus durée des globes, ils mettent à 60%, mais ils font en sorte que genre la mana, tu en récupères une partie, pas non plus totalement, mais une petite partie, ça up un petit peu la régène mana. Là, ce talent pourrait devenir intéressant. À l'heure actuelle, le fait que ce soit que de la sustain. Mephisto, t'es quand même censé engage de très loin, repartir aussitôt, donc c'est plus la mana qui peut faire défaut dans ce genre de cas. Donc, j'aurais bien aimé qu'ils prennent un peu de la mana. S'ils avaient mis de la mana, le talent deviendrait vraiment compétitif. Là, il est pas mal, il est toujours pas mal, moi c'est un talent que j'aime bien, mais la barrière statique est trop forte. Asmodan, on passe à Asmodan justement, donc nerf solo queue évidemment. Globe d'annihilation, donc le A qui voit des dégâts réduits de 5%, donc un petit nerf sur le A. Alors ce qui est intéressant, c'est que je l'avais parlé un petit peu avec TR et il me disait ce qui est dommage, ce qu'il attendait d'Asmodan, c'est pas un nerf des dégâts de base du A, parce que c'est déjà un problème. Asmodan, c'est scaling. Ce qui serait intéressant plutôt sur Asmodan, c'est de changer la vitesse de stacking de la quête. Et c'est vrai que là-dessus, c'est un point intéressant. Je sais pas ce que vous en pensez. Après, moi, là, c'est un nerf, un petit nerf d'Asmodan. Peut-être qu'il y en aura d'autres, puisqu'il est quand même assez haut en solo queue. Personnellement, moi, je trouve qu'Asmodan, de toute façon, c'est un perso. Je suis désolé si vous le prenez mal, hein, si vous êtes des joueurs d'Asmodan. Mais je trouve qu'Asmodan, c'est un perso de un peu de teubé, hein, un peu de mec qui. Enfin, je trouve que c'est un perso individualiste en gros. C'est le perso, tu joues tout seul dans ton coin. Tu t'en bats un peu les couilles de ta team. J'ai vraiment le sentiment que c'est ça. Alors, c'est peut-être aussi. C'est un peu le même principe que Zagara. C'est-à-dire que peut-être que tous les Asmodan que je crois, c'est des mecs qui s'en battent les couilles et qui décident juste d'AFK push comme des trisomiques. C'est possible, c'est possible. Mais en tout cas, moi, Asmodan, c'est vrai que mécaniquement, je trouve que le perso, il est pas très intéressant. Après, je ne regrette pas l'ancien Asmodan parce que l'ancien Asmodan, le build push, c'est encore plus tardos. Le build 2, bah, j'en parle même pas. Mais c'est vrai que je regrette un petit peu l'Asmodan A qui semblait un petit peu. Bon, on s'est dirigé là-dedans quand même, mais c'est vrai que c'est. Je sais pas, je trouve quand même que la manière de jouer Asmodan est vraiment très particulière. Le maître de la destruction, donc un talent sur le E qui fait en sorte que. Le E donne plus justement de pour faciliter le scaling. C'est un talent qu'on voit moins, il a été up. Pourquoi pas, pourquoi pas, même si je pense quand même que les deux autres sont meilleurs. Passons à Medivh qui voit des changements. Alors, on voit Asmodan par exemple et Mephisto, ce sont plutôt des changements solo queue. Ici, nous avons Medivh et là, c'est des changements de HGC. Là, c'est des changements compétitifs de Medivh avec le temps de recharge. Parce que malheureusement, il y a des joueurs pro. C'est pour ça que vous voyez que certains, des fois, dans les commentaires, c'est plutôt bien vu. Enfin, c'est plutôt de bonne. Bonne augure quand on reproche par exemple certains changements comme le Genji, parce que les gens étaient là, ah, oui Genji, bah, par exemple l'Orgidame, hein, l'Orgidame de Mephisto, on a crié au nerf, etc. Bon, j'en avais parlé, hein, je l'avais annoncé. Ça par exemple, c'est des joueurs qui ne s'adaptent pas, qui sont plutôt de bas elo et qui chient sur les développeurs, etc. sur Reddit ou sur les forums ou n'importe où. Et là. C'est pour ça, et souvent on dit oui, mais il faudrait juste écouter les joueurs pro, etc. C'est pas, moi je vous dis souvent, ce n'est pas une bonne solution. Il faut écouter juste des bons retours. Puisque les joueurs pro, des fois, ils se comportent exactement comme Jean-Kevin du 77 qui dit Chromie, c'est OP. Voilà, c'est exactement le même délire. Et Medivh, on a vu des joueurs, je donnerai pas de nom, mais on a vu des joueurs, notamment américains, qui voulait que le perso soit tout simplement delete du jeu. Donc voilà, ça c'est des genres de retours constructifs évidemment, c'est de l'ironie. Parce que voilà, Medivh, peut-être qu'ils savent pas le jouer, du coup ils en ont marre de jouer contre, hein, parce que c'est souvent ça le cas. Donc c'est pour ça qu'il faut pas non plus écouter les joueurs pro à plus, enfin tout le temps. Ça dépend de la qualité du retour. Si le mec vous dit ça c'est de la merde, ça c'est trop fort, généralement les retours sont pas forcément. Il faut voir bien sûr, mais les retours sont pas toujours très intéressants dans ce genre de cas. Et malheureusement, Medivh voit des changements là-dessus, avec notamment la force de volonté, le temps de recharge qui est augmenté de 8 à 9 secondes, donc le bouclier. Je rappelle que l'ancien Medivh c'était 5 secondes dans le bouclier. Maintenant on passe de 5 à 8, c'est un énorme changement. Enfin ça c'était le rework, donc c'est un gros changement. Maintenant on le passe à 9 secondes, on double quasiment par rapport à l'ancien Medivh. Et honnêtement, Medivh, on va pas se mentir, hein, même à l'époque c'était 5 secondes le bouclier, ça demandait quand même des réflexes de Portio, ça demandait une visibilité, une lecture du jeu quand même très intéressante. 9 secondes, ça veut dire que vous avez un seul bouclier. Essayez de comparer avec certains supports, certains vrais supports, même certains off-sup. Je veux dire, les shields ils sont pas à 9 secondes, hein. C'est pas. Regardez le bouclier par exemple de Zarya qui est à la hauteur de 12 secondes. Celui de Zarya, 12 secondes, il pèse énormément, il donne de l'énergie, etc. Et il dure beaucoup. Enfin, il dure longtemps. Là, le shield, il dure beaucoup moins longtemps. Enfin, c'est vraiment un problème parce que le shield de Medivh, c'est quand même super intéressant dans le. Je pense qu'il devrait limite réduire le CD, réduire la durée du shield peut-être, mais réduire le CD en fait. Parce que
t'as envie justement. Medivh, c'est un perso à réflexe, tu veux être. C'est nerveux en fait comme perso. Ça fait endormir. Alors je comprends que Medivh, bah, en pro, ça peut être très très costaud, donc je comprends certains changements, mais en fait pour moi, c'est pas le Z qui doit être changé. Parce que le Z, c'est très facile en pro de contrer un Medivh. Il va mettre un Z, bah tu pars pas sur une compo. Enfin, ou alors, s'il y a Medivh et que toi tu as du burst, tu vas feinter le burst sur un mec pour en attaquer un autre. Ça se voit énormément souvent. Ou tu joues beaucoup beaucoup de dégâts de zone et le Medivh il pourra rien faire. Donc. Pour moi, Medivh, le gros problème en pro, c'est plutôt le portail. Le portail dure trop longtemps, le portail a une très grande portée. Ce genre de choses, par contre, là, ça pourrait être intéressant. Là, ça pourrait être intéressant. Ou même mettre une restriction au niveau du... Enfin, le portail a une portée. À une portée vraiment très grande, tu réduis la portée du portail, etc. Ça pourrait être beaucoup plus intéressant déjà, parce que c'est vraiment le portail qui fait que Medivh est peut-être un petit peu cancer au niveau pro. Et encore, des bons Medivh, ça fait toujours plaisir, donc c'est un petit peu dommage. L'armure du mage, donc c'est un talent qui a été augmenté. L'armure, à chaque fois que vous prenez le portail, vous gagnez 30 d'armure plutôt que 25, donc c'est plutôt un changement intéressant. Niveau 7, bonus à la puissance de capacité augmentée de 25 à 30. En fait, le problème de ce talent, il a pris stéroïde sur stéroïde. Il est pas mauvais hein, sur le papier, c'est juste que devoir mettre un Z pour pouvoir gagner de la puissance et de capacité, c'est un peu contre-mécanique quoi. Ton Z, t'es pas là en mode. Ça me rappelle vous savez, le E de Brightwing qui soignait si vous mettiez sur un mec, vous soignez. Ça force à faire n'importe quoi avec le perso. Alors, c'est pas ça qu'il faut faire. Donc, dans un teamfight, si vous avez la chance de mettre un Z au bon moment sur une bonne personne, bien utiliser votre Z, ouais, des fois vous aurez un gain de puissance. Sinon, ça vous forcez à mal utiliser votre Z pour avoir le gain de puissance. Donc. Je suis vraiment pas fan de ce talent, même si ça reste fort, hein, mais c'est juste que c'est contre-mécanique de fou, quoi. Niveau 13, la volonté tenace, on calque aussi avec la force de volonté. La force de volonté est un talent qui a été... Enfin, c'est une compétence qui a été nerf, donc passé de 8 à 9 secondes. Temps de recharge, rappel, donc c'est le violet qui fait en sorte que le bouclier, si vous tankiez suffisamment de dégâts, passez le temps de recharge du bouclier à 3 secondes, maintenant ce sera à 4 secondes pour calquer justement, pour pas qu'il y ait une archi-dépendance à ce talent 13. Le problème c'est que le mal est fait. De toute façon, Medivh maintenant on ne voit quasiment que ce 13 parce qu'il est indispensable pour avoir des boucliers souvent. Donc il y a une erreur là-dessus, il y a une énorme erreur de la part de Blizzard parce que bah, ça rend encore plus dépendant à ce talent. Et le problème ne vient pas de ce talent, le problème vient de ça. Et peut-être de la manière dont ils ont conçu le bouclier. Enfin bon, Medivh, ouais, je suis vraiment pas fan de ce qu'ils ont pu faire. Brightwing. Alors, le support, tout le monde, ce qui me fait rire, c'est que des fois, voilà, les gens overreact, attendant de voir pour parler des persos. Les gens étaient tout de suite en mode, oh, une purif de zone au niveau 1, c'est pété, nanana, nerfez ça, machin. Qu'est-ce qu'a fait à Blizzard? Ils ont regardé le nombre de matchs joués, ils ont regardé les win rates, ils ont regardé un petit peu ce qui était pris, machin, et ils ont fait quoi? Bah, Brightwing, il faut le up. Du coup, malgré le rework, Brightwing prend un up. Donc le soin, donc 5% de up sur le soin passif. Je rappelle qu'il y avait eu un nerf à l'auteur de 7,5%, je crois. Puisque c'était 5... avant c'était 106 ou un truc comme ça le montant. Donc on repasse pas à la valeur d'avant, mais quasiment à la valeur de soin antérieure. Et on réduit le temps de recharge aussi, donc de la purif de 120 secondes à 100 secondes CD pour l'avoir un petit peu plus souvent. Et la brume opportune, donc les soins sont augmentés de 200 à 250 points. Donc je rappelle que ça c'est les soins si jamais vous purifiez un allié, bah, le mec il prend un burst steal à ce moment là. Ce qui est très intéressant c'est que ça up, je vous laisse avoir le guide Brightwing, mais ça laisse aller ça laisse un petit peu de plus de place si vous voulez vraiment partir sur un truc anti, enfin purif. Je rappelle, le niveau 4 réduit de 5 secondes le temps de recharge, donc ça peut être pas mal pour vraiment avoir plus souvent la purif. En tout cas, des bons changements sur Brightwing. Lily, alors Lily, ça aussi, alors là vous allez voir, c'est du patch HGC. Là c'est clairement là c'est les supports, c'est des patchs HGC hein. C'est pas pour la solo queue, parce que Lily, si c'était pour la solo queue, on n'y toucherait pas. Elle est très bien Lily, c'est l'un des meilleurs win rates chez les supports, si ce n'est le meilleur. Donc c'est, non maintenant c'est tirant, mais c'est vraiment un support qui a toujours eu, toujours été dans le top win rate des supports. Ses PV sont up, je crois que c'est 5%. La régène aussi. Donc je rappelle que Lily, bah, mine de rien, elle a beaucoup d'outils hein. L'aveuglement, c'est une énorme tankiness. Vous avez la mobilité aussi quand vous êtes attaqué, donc ça c'est aussi beaucoup de tankiness. Donc c'est plutôt pas mal hein, pour Lily. Et maintenant on réduit aussi, donc on up les PV, on réduit le temps de recharge du serpent nuage de 12 à 10 secondes. Donc le petit serpent qui va soigner un petit peu le porteur, bon c'est pas énorme. Ça favorise bien sûr tous les talents sur le build de Z, notamment l'aveuglement au 1 hein, qui est déjà très fort et qui va devenir encore plus fort.
et les gourdes à 1000 tasses, soins par gourde réduits de 70 à 66 points. Je vous rappelle que c'est le temps de recharge maximum. Vous pouvez casser, vous pouvez couper la gourde à 1000 tasses avant la fin. Allez voir le guide, allez voir le guide Lily. Donc là, c'est un up de Lily. C'est pas un énorme up, mais c'est un petit up qui va faire, enfin qui va avoir un énorme impact en solo queue, je pense. En pro, je pense que de toute façon, Lily, il y a eu un moment quand c'était Malfurion et Stukov qui étaient first pick first ban. Je pense que là, dans cette méta, Lily aurait dû être jouée. Là, les supports sont tous très intéressants. Lily, à l'heure actuelle, est pas mauvais. Hein. Je sais qu'il y en a, comme il la voit pas en pro, ils disent c'est de la merde. C'est fort, Lily. Hein. C'est très fort, Lily. Hein. C'est juste qu'il faut. C'est pas le support le plus playmaker, donc. C'est pas le support le plus skillé, donc forcément les joueurs sont pas forcément dingues dessus. Mais des compos Lily Cassia, etc., on devrait en voir. Hein. Vraiment, on devrait en voir. Il suffit qu'un mec. Demain, il y a Sake qui va jouer Lily chez Genji. Ça y est, on va revoir de Lily. C'est vraiment une question de mode, Lily, parce que c'est vraiment un bon perso, je pense. D'ailleurs, Lily, ça fait peut-être partie des persos que Genji avait annoncé à l'Eastern Clash hors méta, qu'il le considère comme fort et qu'il pourrait jouer. On verra à la BlizzCon. Mais c'est pas sûr, hein, je dis ça, mais ils ont dit qu'il y avait ce genre de pick. Lily, vraiment pas mal. Morales ensuite, qui voit un bon up. J'aime beaucoup le up de Morales, même s'il y a des petits trucs, j'aurais aimé qu'il fasse plus. Les points de vie qui sont up de 5%, c'est bien parce que Morales elle est très vulnérable au dive, mine de rien. Donc elle est censée avoir une grosse armure. Donc bon, quand même un petit peu plus de PV pour Momo, c'est toujours super cool. Protection, le temps de recharge qui a été réduit pour la protect de 12 à 10 secondes. Donc je vous rappelle que c'est 25 d'armure. Donc 25 d'armure pour améliorer. Et en plus l'armure est augmentée, donc on passe de 25 à 30 points. Donc plus d'armure plus souvent, donc c'est plutôt cool sur Morales, puisque c'est quand même un des outils importants de Morales contre le burst. Hein. Je rappelle que Morales c'est l'un des meilleurs anti-burst du jeu, derrière donc White Mane et derrière Uther. C'est les trois meilleurs anti-burst du jeu, c'est Morales en fait partie. À côté de ça, grenade à distorsion, donc les dégâts sont augmentés de 5%, des petits up de dégâts sur le... Bon c'est des petits trucs, hein, c'est du détail. Niveau 7, kinésithérapie, donc la réduction du temps de recharge porté de 4 à 5 secondes. Alors qu'est-ce que la kinésithérapie? Le Z appliqué sur quelqu'un qui est slow, quelqu'un qui est ralenti, ça va enlever le slow, donc c'est une purge de ralentissement qui, en plus de ça, si le mec, si vous purgez quelqu'un qui a un slow, enfin qui a un slow, donc vous l'utilisez votre Z au bon moment, le mec va être purgé du slow et en plus vous allez avoir votre Z plus souvent. Pourquoi c'est comme ça? Bah tout simplement parce que le slow, généralement il y en a, c'est du slow en permanence, on pense à Arthas, on pense à Jaina, etc. Du coup vous mettez l'armure à ce moment-là, ça purge le premier slow, le slow initial, potentiellement pour que le mec puisse s'en sortir. Et si jamais bah, il l'a encore, bah, vous allez pouvoir le repurge derrière dans 5 secondes après. Donc c'est l'idée de pouvoir spammer le Z, ce qui est plutôt cool. À côté de ça, vous avez le blindage en vanadium. Alors je le rappelle, ce n'est pas une purge. Enfin, c'est pas une purge. C'est-à-dire que le bonus d'armure est désormais également déclenché par les effets d'immobilisation. Alors, je rappelle qu'en fait, vous pouvez poser votre armure sur quelqu'un, vous posez les 30 d'armure, et le mec qui se faisait stun, il allait gagner, donc ça allait passer à... Il a gagné 25 d'armure. Donc d'ailleurs, il n'a pas été changé. Donc avant, vous gagniez 50 d'armure, maintenant vous gagnez 55 d'armure, puisqu'il s'est passé de 25 à 30. Donc vous gagnez 55 d'armure, et en plus de ça, ça remettait à jour le Z. Donc le Z dure 2 secondes. Le Z dure 2 secondes. Et bien par exemple, si vous l'aviez mis juste avant un stun ou un route, ça allait recharger. Donc ça pouvait faire gagner une seconde par exemple, ou même quasiment 2 secondes sur le Z, en fonction du moment où vous l'avez lancé. Donc c'est quand même super intéressant. Le problème, c'est que ça ne purge pas. Et ça, c'est un problème pour moi. Ça devrait purger les routes et les stuns. Il faudrait réduire l'armure. Tu gardes à... Là par exemple c'est 30 points, bah on monte à 50 au pire, ou 40 d'armure. 45 c'est pas mal, on monte à 45, mais ça purge. En fait Morales, ce genre de truc, c'était dans les... Vous savez, c'est quand on avait enlevé un peu les purifs et qu'on les avait personnalisés par perso, et Morales c'était la première. Et depuis, bah maintenant vous regardez Anna, ça purge plus ça met la purge armure plus purif, hein. Le sel d'Anna niveau 13, c'est purge plus 50 d'armure, hein. Morales, et vous allez me dire oui mais c'est un talent 13. Ouais, mais en fait c'est juste que ils ont fait un truc inversé. Les rayons, les purifs sont au 13 et les rayons réducteurs sont au 7. Donc c'est ça, au final ça se vaut. C'est juste que Anna fonctionne différemment. Mais même plein d'autres persos ont des purges qui appliquent en fait. Enfin, ce sont des purges qui appliquent aussi de l'armure. Du coup, je trouve ça un peu dommage que pour Morales ça ne purge pas les stuns et les routes. C'est un petit peu dommage, mais bon, c'est un fonctionnement différent.
Et enfin la grenade IEM qui voit des dégâts sur les dots, parce que je rappelle que la grenade IEM c'est le talent qu'on voit le moins parce que c'est le plus situationnel, c'est celui qui est anti-shield. Et en plus d'être anti-shield, il mettait un petit dot et on up le petit dot, donc c'est toujours cool. C'est quand même un gros up hein, sur le dot, mais c'est voilà pour qu'on la joue plus. D'ailleurs, si vous voulez jouer, non, je vais pas conseiller ça, mais en gros contre les shields c'est encore mieux. Donc voilà, on améliore la puissance de la grenade anti-shield. Stukov, alors sachant que ces dégâts-là ne marchent surtout, même si le mec a un tout petit bouclier, ça va casser le bouclier. Mais ce dot là va s'apposer en plus en fait, donc c'est toujours intéressant. Stukov qui voit la phagocytose, donc je crois que c'est la réduction de CD du E qui se fait en fonction du nombre de tics qui touchent un héros, on passe de 15 à 12. Concrètement c'est pas grand chose, hein. C'est pas un énorme changement, on veut ce talent est peut-être un peu moins joué, du coup on veut le up. Il est peut-être trop dur à faire proc, donc on veut le up, ça change pas grand chose sur Stukov. Tyrande et White Man qui subissent des changements. Tyrande, le perso à l'heure actuelle, depuis son rework, Tyrande est super intéressante. On a réduit le temps de recharge de l'éclipse des lunes, on augmente, on passe de 80 à 90 secondes, je veux dire qu'on nerfait l'ultime. En vrai, je trouve ça un peu dur, mais bon, c'est comme ça. Tyrande, elle prend des sacrés nerfs quand même. Hein. Là, c'est des nerfs solo queue et HGC, mais surtout solo queue, puisque la résistance qu'elle d'oreille, donc l'armure anti-sort qui est de 15 à 10. Personnellement, pour moi, le niveau 1 de Tyrande le plus pété, c'est la purge, pas l'armure anti-sort. Mais du coup, on pouvait monter à 30 d'armure anti-sort maximum. Maintenant, on descend à 20 d'armure anti-sort maximum. Donc, c'est un nerf sur l'armure anti-sort. Mais concrètement, le truc le plus fort sur Tyrande au niveau 1, c'est la purge. Hein. Double purge quasiment permanente, c'est énorme, hein, avec un double reset en plus, enfin c'est énorme. Et une réduction de temps de recharge des purges par auto-attaque, enfin c'est n'importe quoi, hein, c'est vraiment trop fort. Et ça c'est vraiment pour la solo queue. Mais bon. Niveau 4, l'embrasement lunaire, la portée est réduite. Encore une fois, je rappelle que la portée à la base c'était 50%, maintenant c'est 30%. Ça reste le meilleur talent de Tyrande au niveau 4. Là ils veulent faire en sorte que les autres soient plus joués, mais il va falloir les up peut-être, parce que celui-là, il est juste indispensable dans le kit de Tyrande presque. Sinon vous n'avez pas la portée suffisante pour pouvoir suivre des tanks et des engages. Donc la portée est vraiment importante. Niveau 13, bénédiction de célérité, la vitesse de déplacement augmentée de Tyrande. Donc alors je rappelle que si vous mettez un soin sur quelqu'un, ça va augmenter sa vitesse de déplacement de 15%. Mais pour Tyrande, c'était de base en fait, c'était permanent. Et en l'occurrence, c'était donc 10%, et maintenant Tyrande n'aura qu'un bonus de 5% de move speed. Ce que je trouve un petit peu dommage, c'est que ça c'est pour la solo queue, mais en pro aussi ils jouaient, il y a eu le changement, donc le dernier patch ils avaient changé ça. Et au final Tyrande, avec ces derniers changements, ça allait, hein. En pro on voyait quasiment plus ce niveau, on voyait que de la chouette. Et c'est un petit peu dommage de voir que la vitesse de déplacement elle est de nouveau nerf. Je pense qu'il fallait peut-être un peu attendre, parce que n'oublions pas que la solo queue, les joueurs aussi regardent un petit peu ce qui se fait en pro, et ça avait changé en pro, donc fallait peut-être attendre. Je pense que là-dessus Blizzard n'a pas été patient, mais bon, du coup Tyrande ça fait mal, hein. Tyrande ça fait mal, mais ça reste excellent. Enfin, ça reste un support qui est excellent. White Mane. Alors, White Mane, moi j'avais très très peur. Parce que justement, White Mane, c'est un peu la Chromie Genji. C'est-à-dire que White Mane sur Reddit, sur les streams, etc., ça chiale de ouf envers White Mane en disant que c'est OP as fuck, machin. Pourquoi? Comme j'ai dit tout à l'heure, le problème c'est que les joueurs s'empalent sur White Mane. White Mane, c'est le meilleur anti-burst du jeu s'il n'y a pas d'anti-heal. C'est le meilleur anti-burst du jeu. S'il n'y a pas d'anti-heal, c'est elle. S'il y a de l'anti-heal, c'est Uther et Morales. White Mane, c'est le meilleur anti-burst du jeu, encore une fois, s'il n'y a pas d'anti-heal. Donc c'est-à-dire que un mec se fait engage, White Mane peut tout balancer pour protéger ce gars-là. Le truc, c'est que du coup, tout ce qui est dégâts de zone, tout ce qui est dégâts sur le long terme va saouler White Mane, tout ce qui est le poke va emmerder White Mane. Les anti-heals sont godlike contre White Mane, puisque vous enlevez son soin, donc elle a plus que l'armure. Et le seul truc qui aurait pu être nerf, c'est, encore une fois, c'est ce que j'évoquais dans mon guide White Mane, c'était l'ultime, l'égide écarlate, qui devait passer à 70 secondes minimum. Passer de 60 secondes l'armure, c'est quand même beaucoup. Et au final, donc c'est PV qui sont nerf alors que le personnage a très très peu de points de vie. Déjà, ça aussi c'était un... Enfin, White Mane, n'oublions pas qu'elle a pas de mobilité. Hein, White Mane n'a pas de mobilité, elle est fragile. Donc les joueurs qui s'empalent sur White Mane, qui s'empalaient sur ses alliés, au lieu de travailler au corps un petit peu la White Mane, au lieu de... Non, ils s'empalent sur un mec et ça passe pas. Ça c'est un peu dommage quand même, parce que
Alors, les gens criaient vraiment au, ils voulaient des nerfs de fou, hein. Ils considèrent que White Mane est OP as fuck. Alors que, bah voilà, encore une fois, si on crie au nerf. Alors que non, non, tu t'intéresses un peu à ce comment contrer le perso, tu regardes des games pro, tu regardes un petit peu pourquoi, t'essayes de comprendre pourquoi le perso c'est pas first pick first ban. Et au final, White Mane, on se rend compte, hein, comme je l'avais annoncé au début, c'est que White Mane au début ça allait être fort parce qu'on n'était pas habitué. Et on s'est, une fois que c'est habitué, White Mane elle a des points faibles mais énormes. Et faut jouer sur ses points faibles, faut jouer sur les points faibles de White Mane. Adaptez-vous. C'est facile de dire oui, c'est trop fort, gna. Adaptez-vous. C'est pas en disant c'est trop nul, c'est OP que vous allez vous améliorer. Hein. Si vous voulez vous améliorer, analysez les points faibles d'un perso et abusez-en. Abusez-en. Mais c'est pareil dans une équipe, quand vous êtes en solo queue, vous jouez contre une équipe de mecs. S'il y en a un qui est faible, appuyez dessus. C'est ce qui va vous faire gagner, hein, vraiment. En tout cas, donc l'inquisition, les dégâts sont réduits. Alors je rappelle qu'avec White Mane, il y a une mécanique qui est très importante. Qui dit dégâts réduits dit soins réduits, évidemment. Donc comme c'est la hauteur des dégâts en plus, donc c'est-à-dire que bah avant c'était 53 de soins par tick, maintenant c'est 50 points. Donc on nerf le heal. Flagellation, donc on réduit les dégâts aussi de 82 à 78. Donc un nerf des dégâts égale un nerf des soins pour White Mane. Mais je m'attendais franchement à un nerf à la hache à cause de Reddit. Ça a été, ouais, Blizzard a tenu bon là-dessus. Donc ça, c'est un petit nerf. Je pense qu'il n'y avait pas besoin de nerf les PV, juste ça à la limite. Mais en vrai, je m'attendais tellement à pire que ça va. Je trouve que ça va. Après, on n'est pas à l'abri que ça continue quand même. Diablo, alors Diablo c'est un peu le même délire, c'est à dire que Diablo en pro on le voit beaucoup, en solo queue il est très fort parce que bah, Diablo en solo queue c'est son monde, hein, c'est son univers, punition, tankiness, enfin c'est vraiment le tank de la solo queue, donc je m'attendais à énorme nerf, et au final, ce qu'on se rend compte c'est que de plus en plus bah, les joueurs se sont adaptés, l'anti-heal très très fort contre Diablo parce que du coup le build de Z, bah, même avec les autres builds d'ailleurs, il peut pas se soigner, donc pas de sustain pour Diablo à l'heure actuelle, il a plus l'armure donc ça marche très bien. Et à côté de ça, tout ce qui est anti-tank, Maltael, Ticus, Raynor, etc, ça fait très mal à Diablo. Donc au final, les joueurs se sont adaptés sans aucun nerf de Diablo, les joueurs se sont adaptés et Diablo repart un petit peu sur la seconde plage, je dirais sur le côté un petit peu plus... côté un petit peu plus tier 2 que tier 1 véritable. Et au final, un nerf que je ne comprends pas. Enfin, des changements que je ne comprends pas. Parce que, à la limite, Diablo, on aurait pu nerf un peu ses PV, faire nerf des trucs. Il nerf le souffle de foudre. Alors, je rappelle, le souffle de foudre, ça a toujours été l'ultime à court CD face à l'apocalypse, long CD. Ils ont voulu rendre plus compétitif l'apocalypse. C'était une connerie parce que l'apocalypse a été compétitive. C'est pas parce que les joueurs ne la jouent pas que les joueurs n'ont pas forcément. Les mecs jouent Nazibo Grenouille. Ils n'ont pas toutes les. Ils n'ont pas forcément. La lumière à tous les étages, hein. Il faut laisser le temps. Il y a des trucs qui sont forts, pas besoin de les up. Ça va se faire petit à petit. Les gens ils vont s'adapter petit à petit. Et le souffle de foudre, c'était fort qu'en combo avec la salve de purification de Phoenix, avec on peut penser à, je sais pas, salve de purification de Phoenix. Il y a d'autres combos, on va dire. C'était un slow. Ok, c'était un slow. Mais passer de 70 à 90, au moins 80, 90 secondes maintenant, c'est le CD de l'Apocalypse hein, qui avait été nerf. Hein. L'Apocalypse, c'est super fort sur Diablo. Donc le temps de recharge du souffle de foudre, je trouve que ça, c'est un énorme nerf. Je pense que le souffle de foudre n'avait pas besoin de ça. De plus en plus, on voyait de l'Apocalypse en plus en pro. Donc ça voulait dire qu'on verrait de plus en plus d'Apocalypse en solo queue. Puis même en solo queue, je vois beaucoup de Diablo charge. Donc souvent, ils jouent Apocalypse. Donc souffle de foudre là-dessus, je trouve que c'est un changement non mérité. L'élan diabolique, qui est un bon choix, mais qui pourrait changer beaucoup de choses. C'est-à-dire que les deux paliers 7, les deux talents 7 du palier de Diablo étaient très forts. À savoir le dégâts sur la charge, enfin les dégâts sur les sorts de Diablo. Et le Z qui permettait d'avoir plus de Z, donc plus de soins. En l'occurrence, l'élan diabolique n'était pas mauvais. L'élan diabolique était juste un petit peu en dessous. On lui a donné un énorme up. Moi, je m'attendais à ce qu'il le up à 0,85, un petit truc, quoi. Là, on passe à 1 seconde par auto-attaque de base. Réduction du temps de recharge à 1 seconde par auto-attaque de base. Ce qui est très dangereux, c'est que ça améliore la sustain de Diablo, puisque vous avez le Z au 4, donc vous augmentez. En fait, vous allez avoir un hybride entre charge et... un build charge et build Z, avec quasiment autant de sustain que le build Z, mais autant de dégâts que le build charge quasiment. Puisque... alors arrêtez par contre de jouer l'armure au 4 sur Diablo, hein. Je comprends pas, je vois des viewers et j'ai vu pas mal de Diablo à la mode, comme un peu la Vala auto-attaque à Arsenal au 7 qui n'a aucun sens. Je vois des Diablo partir ça au 7, donc pourquoi c'est pas mauvais, c'est pas mauvais, hein. Mais avec l'armure au 4. Non, l'armure au 4 c'est pas assez bon pour le moment. Et vous avez le Z au 4 avec ce talent 7 qui est beaucoup plus intéressant.
4 au 7, enfin 4 pour le soin avec les auto-attaques qui réduisent le temps de recharge, là c'est vachement intéressant. Mais plus, bien sûr, avec charge dévastatrice et domination pour avoir plus souvent la charge. Et là vous avez un hybride entre charge et soin et c'est pas mal du tout. Hein. Je pense que ça va être très très fort ça. Je pense que ça va être très très fort. Peut-être qu'ils reviendront dessus parce que ça va être très fort. Mais ils veulent enfoncer une porte ouverte en mode mais vous allez me le tester ce talent? Parce que ce talent est vraiment loin d'être mauvais, j'en parlais dans mon guide Diablo. Rexxar, des petits changements sur Rexxar, mais c'est des petits trucs, mais pourquoi pas. Le talent peut-être le moins joué sur Rexxar, c'est la robustesse. Donc l'armure, avant c'était pas mal loin, maintenant c'est au 4 et il est en concurrence avec beaucoup de talents. Du coup on réduit le temps de recharge du blocage pour que ça se calque avec quasiment tout le blocage, c'est-à-dire une charge toutes les 6 secondes. Donc après n'oublions pas que ça marche pour Rexxar et pour Misha, c'est ça la force du talent. Et enfin on se fait serre affaiblissante, donc le slow sur le A au niveau 7, donc le petit faucon qu'on balance, la durée est réduite, enfin la durée du ralentissement est augmentée pardon, et passe de 3 à 3,5 secondes, donc on passe à 3,5 secondes de slow, pourquoi pas, ça permet à... Mais bon, c'est des talents secondaires, on les up. Ok. Irel enfin, dernier changement sur Irel, on l'attend depuis très longtemps, je comprends pas pourquoi ça fait un mois et demi qu'on l'attend ce changement. L'armure qui a été réduite sur le gain du E au 4, qui passe de 35 à 25, et la durée qui est réduite de 5 à 4 secondes, c'est tout à fait logique, le talent reste intéressant, mais c'était complètement incompréhensible, ça faisait des trucs ultra cancer avec Hammer, enfin 5 secondes à 35 d'armure. Citez-moi un seul perso qui fait ça, hein. Autant de temps, autant d'armure, autant de temps au niveau 4, il y en a très peu hein, quand même, hein. Il y en a très très peu, hein. Je pense qu'il y en a même aucun. Du coup c'est vrai que c'était un peu particulier, sachant qu'elle pouvait même à toute son équipe au final Irel. Après vous allez me dire oui mais c'est un talent qui ne marche pas pour Irel. Ouais mais c'est pas grave en fait. Et du coup ce qui est bien c'est que ça va offrir peut-être de la nouveauté au niveau 4 d'Irel. Le don des Naru qui reste très bien. Et aussi la vitesse de déplacement, moi c'est surtout ce talent que je pense voir exploser. Parce que la vitesse de déplacement c'est beaucoup trop fort. Avec de la White Mane, avec de la Anna, avec du Arthas, avec du Garrosh, avec plein de persos, ça permet d'offrir une mobilité extraordinaire plus une purge. Donc c'est super intéressant. Donc voilà pour ce qui est de ce patch. Globalement je trouve que c'est un patch moyen bon, c'est à dire qu'il y a des choses incompréhensibles. Cassia Chacal, Kyrian c'est un peu trop, Mephisto le R me fait peur, sinon Medivh pas terrible, mais sinon globalement les changements sont plutôt pas mal. Donc je dirais un changement moyen, c'est pas le patch qu'on va retenir en mode oh, c'est un super patch, c'est pas le patch non plus en mode c'est de la merde, c'est vraiment un patch moyen, c'est un patch moyen, il y a des choses intéressantes, d'autres que je ne comprends pas. Au passage d'ailleurs c'est le patch qui devrait être joué à la BlizzCon, donc le patch AGC Finals, donc le patch qui sera joué pour les championnats du monde. Donc voilà, c'est toujours intéressant, mais c'est vrai que c'est un peu dommage je trouve sur certains points. En tout cas j'espère que vous avez apprécié cette vidéo d'analyse de patch. Je vous invite bien entendu à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner bien sûr à la chaîne YouTube, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, un like, un follow, ça ne vous coûte rien, moi ça me soutient. N'hésitez pas à commenter aussi, qu'est-ce que vous avez pensé de ce patch, est-ce que vous le trouvez même bilan que moi, vous êtes encore plus énervé, vous êtes content globalement, n'hésitez pas à donner vos impressions, puis je rappelle que les commentaires en plus améliorent la visibilité de la chaîne, donc bah, c'est aussi du soutien, et bah, tout simplement, on se dit à bientôt pour de prochaines vidéos, à plus dans le Nexus.